Yahoo Bidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une vidéo extrêmement gage, j'achète ou pas, avec 4 extraits de 4 maisons d'édition totalement différentes, donc si la suite t'intéresse, continue. Si jamais tu me rejoins pour cette première fois sur la chaîne, je t'invite tout simplement à liker, commenter ou même partager cette vidéo si elle te plaît. N'hésite pas surtout à t'abonner à tout moment, ça me ferait extrêmement plaisir de te compter parmi ma Pancha Family. Et aujourd'hui donc on va parler d'extrait manga et je vais te dire si j'achète ou pas après avoir lu l'extrait. On va avoir le manga PPPPPP, oui il y a 6 P. Du coup de Nobi Nobi, on va avoir le manga Play It School Guys de Doki Doki. On va avoir Ma Revenante Bien Aimée de Mangetsu. Et pour terminer, on va parler de New Normal des éditions Kana. Donc, on attaque. Donc, bien entendu, je vais te les présenter dans l'ordre que je les ai cités. Et on va commencer du coup avec P. 6 fois. P, 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 P. Et en fait, on suit les aventures d'enfants qui sont nés. Et en fait, ils étaient 7. Malheureusement en fait l'un d'entre eux, donc celui qu'on voit sur l'illustration principale, est le petit, en fait le vilain petit canard de la famille, tout simplement parce qu'on est sur une famille de musiciens de grands talents. On a donc le papa qui est un grand musicien et donc les 6 autres sont très doués en musique, en piano principalement, sauf notre protagoniste clé. Et donc on va suivre en fait sa vie à lui, sachant qu'on découvre très vite dans l'extrait, alors sachant que moi je me suis contentée de l'extrait qu'il y avait en papier et pas du coup d'aller plus loin comme le propose du coup Nobi Nobi. Et donc en fait dans l'extrait on comprend que les parents se sont séparés, que la maman elle est à l'hôpital et qu'elle est dans une espèce de coma où voilà elle ne se réveille jamais. Le gamin il vit chez sa tati, mais sa tati et l'enfant de sa tati le garde, mais plus par politesse, etc., mais il ne l'apprécie pas parce qu'au final il devient un peu cendrillon à devoir faire toutes les tâches ménagères à la maison jusqu'à réparer les tuiles du toit, etc. Et on va voir aussi que cet enfant, eh ben, il est très malheureux forcément, il se sent un peu nul parce qu'il est le seul, entre parenthèses, boulé de la famille, mais en même temps aussi il va régulièrement voir sa maman et jouer du piano. Parce que sinon, dans sa famille, ben, on lui interdit de jouer du piano parce que ben, de toute façon, il n'est pas suffisamment bon. Donc, à quoi bon? Et donc, ben, il a laissé tout simplement un piano. C'est le piano électrique. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai jamais su comment ça s'appelle ces bestioles. Bref, toujours est-il, c'est un manga qui est terminé en 4 tomes. Le premier tome donc, est sorti le 1er mars 2023. C'était marqué en librairie 2022. Il y a un loupé, je crois, quand ils ont fait le truc. Bref, toujours est-il. Donc, en ce qui concerne ce manga, personnellement, il m'a beaucoup intéressé de par le fait qu'il parle de piano. À savoir que j'ai fait du piano pendant plusieurs années. J'en ai fait en primaire, puis après, j'ai repris un petit peu au niveau du collège. Sauf que, personnellement, pour plusieurs raisons, j'ai arrêté par 2 fois. Et du coup, ce manga m'intéressait parce que justement, on allait parler de mon instrument, on va dire, préféré dans le sens où c'est le seul que j'ai appris. J'ai un peu appris la guitare, mais tellement les bases que voilà, ça ne compte pas pour moi. Mais le piano, j'en ai vraiment fait plusieurs années. J'en ai fait 4 ans, je crois, au total. En comptant primaire et presque un an de collège. Donc voilà, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt sympa à lire. Après, il me semble, alors je suis pas trop sûre, mais il me semble que le youtubeur Mary qui avait dit que le manga avait été écourté et que du coup il était quoi en 4 tomes parce qu'il avait été écourté parce qu'il n'avait pas spécialement marché au Japon, à vérifier. Moi de toute façon, dans tous les cas, je ne le présenterai pas avant qu'il soit terminé parce que j'attends justement, comme d'habitude, que la série soit terminée pour pouvoir la lire. Surtout s'il est quoi en 4 tomes, ça veut dire qu'il sera terminé techniquement avant la fin de l'année. Voilà, moi au mieux, du moment que je te le présente l'an prochain pour la fête de la musique, moi ça me va. Donc, ça attendra, mais est-ce que j'achète ou pas? La réponse est quand même oui, parce qu'il m'a quand même plutôt bien intéressé et justement interpellé parce que j'ai envie de savoir en fait les aventures de ce personnage. On continue la vidéo avec Play It School Guys des éditions Doki Doki. Donc juste à savoir que ce manga a une adaptation en animé. Pour ce qui est du nombre de tomes, j'en suis plus trop sûre, mais je te laisserai découvrir ça à côté de moi. Et donc, la phrase d'accroche qu'a mis, Doki Doki pour ce titre. Alors, à savoir que le tome 1 est sorti le 8 mars.
Oui, avec le décalage entre le jour où je filme cette vidéo et le jour où je la poste, il y a vraiment un fossé. Parce que moi, je la filme, on est le 10 mars. Voilà. Et donc, il y a marqué, ils sont tellement maladroits qu'ils en sont cool. Et donc, on va nous montrer, par exemple, un chapitre principalement concentré sur un personnage. Mais j'ai compris qu'apparemment, on était sur un chapitre, un des mecs, et puis on tournait, du coup, à découvrir leurs aventures. Et c'est, par exemple, le gars, il a ses écouteurs, il est en train de réfléchir en même temps, et il s'est pas rendu compte qu'en fait, la musique n'était pas du tout dans ses écouteurs, mais que tout le monde, du coup, on pouvait entendre sa musique. Et une jeune femme qui est assise devant lui, parce que lui, il est avec les fameuses barres, enfin, les fameux, je sais même pas comment ça s'appelle, les attaches, là, où tu te tiens, et elle lui dit, excusez-moi, mais en fait, on entend votre musique. Et du coup, il va rebrancher son téléphone à ses écouteurs et il va dire avant de partir, oui, mais en fait, c'était volontaire. Et après, on va voir une autre scénette avec ce personnage où il va mettre son maillot à l'envers et pareil, il essaie de sous-entendre que c'est volontaire, etc. Et donc, ce sont des personnages qui font des conneries maladroites comme ça, de pas se rendre compte que ses écouteurs ne lui donnent pas du tout la musique, mais plutôt qu'il y a la musique dans tout le train. Ou le tram, enfin mon métro, je sais plus quoi, enfin, avec le Japon je suis toujours perdue, bref, toujours est-il, ou alors d'avoir mis son maillot à l'envers, carrément intérieur, extérieur, et je crois bien à l'endroit à l'envers, mais toujours est-il, voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Personnellement, ça va être du coup un manga qui est principalement dans le genre comédie, et c'est absolument pas le genre de lecture que j'apprécie, comme ça vite fait. Même, j'allais dire, de temps en temps, en fait, non. Moi, chez moi, c'est pas du tout mon délire. Ce genre de trop de comédie, pour moi, ça tue la comédie. Et ce n'est absolument pas dans mon délire. Oui, il y a un animé. Est-ce que je le ferai? Absolument pas. Parce que, du coup, comme je te le dis, ce n'est pas du tout mon délire. Je sais qu'une abonnée ou un abonné, je suis désolée si je me trompe de genre, mais en tout cas, une personne dans mes commentaires Instagram, si j'avais fait un avis du coup sur l'extrait, m'avait répondu que la personne avait vu l'animé, c'était plutôt sympa, mais n'avait pas terminé parce que du coup, c'était pas trop son délire, et donc du coup, n'achèterait pas le manga. Donc, comme quoi, je ne suis pas le seul à ne pas trop avoir apprécié. On continue avec celui où j'en attendais le plus pour cette vidéo, à savoir ma revenante bien-aimée. Mais en même temps, je me doutais que ça ne le ferait pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement, alors c'est des éditions Mangetsu au passage. Tout simplement parce que le... voilà, je le dis aussi, tome 1 est apparu le 15 février. Mais de toute façon, t'auras eu toutes les infos là. Bref, ma revenante bien-aimée, c'est un manga dans le genre horreur, humour... tranche de vie, couple, etc. Et on suit donc un homme qui vit avec une revenante. Pour l'extrait, vu qu'on a que quelques pages, on n'a pas l'explication du pourquoi du comment, mais en tout cas, on sait tout simplement dans cet extrait que l'homme vit avec sa femme, mais qui est devenue du coup un... voilà, elle revient des morts en gros, et ils vivent ensemble, sauf que bah, comme elle ressemble à un revenant vraiment, et eh ben elle fait peur, donc des fois quand elle veut le réveiller, elle veut bien faire parce qu'elle aime son mari, et sauf que lui, il va se réveiller en sursaut. Elle regarde son mari partir au travail et croiser un des voisins, sauf que forcément, elle fait un petit peu peur, ou alors elle se rend compte que son mari a oublié son bento, et elle passe du coup par les miroirs. Voilà, elle a un miroir dans leur appartement qui lui permet de passer dans d'autres miroirs apparemment. On n'a pas toutes les infos dans l'extrait. Et donc elle va apporter au travail de son mari, sauf que bah, elle fait flipper, et quand elle apparaît comme ça dans les WC des femmes, parce qu'elle passe du coup par le miroir des WC des femmes du travail de son mari, et bah pareil, elle va leur faire peur et ça va créer des situations assez drôles et fun. Personnellement, ce n'est absolument pas le genre d'humour que j'apprécie. Une fois de plus, parce que c'est trop de comédie, tue la comédie. Celui-ci est un peu plus sympa, je trouve, que Play It's Cool Guys, parce que Play It's Cool Guys, c'est vraiment les trucs, voilà, le truc basique, le gars, il a oublié de brancher ses écouteurs, le gars, il a mis son haut à l'envers. Ouais, c'est sympa, mais bon, c'est vite fait et c'est facile. Là, je trouvais ça plus sympa, parce que justement, il y avait le coup de la revenante, etc., et il y avait un petit côté un petit peu plus épicé pour moi, voilà, en plus, du coup, pour moi, c'est un manga halloweenesque, donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais malheureusement, du coup, ça ne l'a pas fait pour moi, donc est-ce que j'achète ou pas? La réponse est non. Donc le premier, c'est à voir, le deuxième, c'est non, le troisième, non plus. Et on va donc parler et terminer avec le quatrième, qui est New Normal. Bref, toujours est-il, le tome 1 est sorti le 17 février en librairie.
Et oui, je te l'avais dit, j'avais beaucoup de retard pour... Bref, en ce qui concerne New Normal, en fait, on suit tout simplement les aventures d'un monde. On est au Japon, si j'ai bien suivi, mais on n'est pas réellement dans notre monde à nous, mais plutôt, c'est ça que j'ai su apprécier, c'est de voir que le manga a été écrit en 2020. Et donc, c'était dans la période Covid. Donc, en fait, on suit un endroit où, justement, eh ben, tout ça... Ça a continué et donc il passe. Alors, on suit une génération du coup de jeunes adolescents lycéens où justement le port du masque est obligatoire H24, tellement H24 que même les journalistes portent des masques, dans les films ils portent des masques, tellement que c'est devenu en fait quelque chose justement limite de 18 plus de voir hein, le visage, toute cette partie-là en fait d'un visage, au point. Où ben en fait on voit les adolescents au lieu d'acheter des revues 18+ comme nous on pourrait avoir, ce sont des revues par exemple où on voit une jeune femme avec un masque visage mais plus une espèce de voile et donc ils vont trouver ça ultra sexy parce qu'ils peuvent voir son nez et sa bouche et donc on est dans ce milieu là, on suit et on comprend en fait que les parents par exemple de la jeune fille principale sont de notre époque à nous, ceux qui ont enfin notre époque actuelle on va dire 2023 et tout ça qui ont vécu le coco et autres épidémies, hein, vu que là, ce n'est pas précisé. Mais du coup, on voit ça et on voit même que, par exemple, pour les masques de sport, ils ont les fameuses roues, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, où tu peux mieux respirer, etc. Mais on voit que vraiment, on est dans un milieu comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que, justement, j'avoue que, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis au cas où, j'aime bien écrire des histoires et inventer, du coup, des mangas. J'en ai écrit que quelques-uns en vraiment écrit, sinon ils sont souvent dans ma tête. Mais à l'époque du Covid, justement, j'avais proposé à deux ou trois abonnés, ouais, à deux, alors à un collègue influenceur manga, Dragmar, et j'avais proposé à deux abonnés sur lequel, avec qui j'étais sur mon Discord de l'époque. J'avais proposé justement de me résumer un petit peu comment ils voyaient eux leur monde à l'époque du Covid et surtout du premier confinement pour qu'on en fasse en fait une sorte de d'informations communes pour qu'après on puisse écrire justement un manga survival de la du coco avec le premier confinement justement. Et je trouve ça pas mal de voir que finalement un auteur l'a fait et surtout que donc on a on va l'avoir, enfin on l'a eu du coup en France et ça je trouve ça plutôt cool et plutôt original. Et puis ça permet de changer vraiment de tout ce qu'on a pu voir au niveau des scénarios. Là je ne sais pas, je ne crois pas qu'il soit classé comme shoujo, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment cherché vraiment les informations, détails genre shoujo etc. Mais je trouve ça plutôt pas mal parce que même si c'est un shonen, on s'en fout. En fait, l'histoire est vraiment très intéressante parce que ça nous montre ce qu'on aurait pu avoir comme situation. Et ça, je trouve ça plutôt drôle et plutôt intéressant. En ce qui concerne ce titre, est-ce que je l'achète ou pas? Je pense que tu l'as compris. La réponse est oui. J'ai très très hâte du coup de le découvrir un peu plus. Je sais pas en fait si je le garde... la lecture du tome 1 pour un peu plus tard. Est-ce que j'attends par exemple qu'il y ait le tome 2 pour faire une vidéo sur les deux premiers tomes? Est-ce que j'attends par exemple de classer dans une catégorie un petit peu Halloween, tranquille? Alors c'est pas un bal des créatures non plus, mais voilà. Est-ce que j'attends la date par exemple officielle du premier confinement par exemple l'an prochain pour en parler pour plus pour de vrai ou un truc dans le genre? Je sais pas vraiment vers quoi m'aiguiller au niveau de la présentation de ce titre, mais en tout cas, ce titre-là, je vais me l'acheter, ça c'est sûr et certain, et je vais le présenter, bien entendu, sur la chaîne, dès que j'aurai lu. Donc n'hésite pas à me dire si tu veux qu'on fasse un truc style anniversaire, coco, une vidéo juste comme ça, dès que le tome 2 sorte, est-ce qu'on attend une date, j'en sais rien. Mais voilà, n'hésite pas à t'exprimer et à me dire ce que tu veux en ce qui concerne du coup ce titre parce que pour l'instant je suis un petit peu perdue. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Donc je le redis au cas où, mais n'hésite pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout je t'attends donc en retour en commentaire pour le manga New Normal. Et j'espère que je l'ai prononcé comme il faut. Et en ce qui concerne les grandes lignes, ma précédente vidéo estrée, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vinted plus Twitch. Je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour des codes promo pour pas mal de sites et liens vers mes autres réseaux sociaux ainsi que d'autres informations. Et sur ce, à bientôt et à très vite pour une autre vidéo Estrée Manga.